Bonjour à tous, vous êtes de retour avec Nuke pour l'épisode 24 de la série 7 Days to Die Alpha 15 en solo. Alors, j'espère que vous avez passé un joyeux temps des fêtes. C'est maintenant presque terminé. Il reste encore le nouvel an, mais sinon, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël ou une belle semaine en général. Alors, aujourd'hui, notre plan sera assez intéressant parce qu'on va devoir faire exploser notre magasin d'outils qui est juste à côté de notre bâtisse, donc juste à côté ici. Côté est, on va faire exploser tout ça. Alors, ça va être assez intéressant à faire. Présentement, je suis en train de faire une tonne de gunpowder. On va pouvoir voir ça à l'instant dans mes chemical station. Donc, peut-être un 225, un 200 quelques ici, 200 quelques ici. On devrait être en mesure de pouvoir faire une tonne de TNT. Si on vérifie TNT, il nous faut beaucoup de gunpowder et le reste, on en a en quantité industrielle, donc ce ne sera pas un problème. Sinon, je vais partir aussi mes forges parce que j'ai une tonne de trucs à faire cuire. Comme ça ici par exemple. Je suis allé ramasser un peu de métal et de pierre. Je suis allé miner une tonne de stone qu'on peut retrouver au niveau du sol. Donc j'ai pas miné souterrain, j'ai miné à la surface avec les grosses pierres qu'on peut trouver. Donc ici, on peut laisser ça ici. Pour l'instant, le temps que ça se fasse, il reste encore 1 minute 30 environ. Ce qu'on va faire, on va aller... Lorsque je suis revenu de miner mes pierres, j'ai remarqué qu'il y a un endroit qui était respawné, ou pas respawné, mais le loot était réapparu. Donc ça va être intéressant d'aller voir parce que il s'agit du poste de police. Donc on va aller looter ça ensemble. Est-ce que c'est assez loin pour que ça vaille la peine d'y aller en moto? Je pense que oui. Wow. Je sais pas si c'est un bug, mais je viens de me prendre un 15% de damage sur mon minibike. Excellent. Donc, le poste de police, si je me trompe pas, est quelque part vers le nord. Ah, il est là. Donc, on se souvient qu'on peut trouver des pièces d'armes à feu si on veut haute qualité. Pas haute qualité, mais haut niveau. Incluant les pièces de sniper et de AK-47, donc c'est les armes qu'on va avoir éventuellement. Et voilà. Massacre. On va même looter des zombies parce qu'on est généreux comme ça. Nope. Un peu de vitre. Bonjour monsieur. Et voilà. Problème réglé. On m'a dit aussi qu'il y avait dans la boutique ou dans la zone ici, on avait un wall safe. Donc je vais aller jeter un coup d'œil. On a une échelle qui sera en toit aussi. Et voilà. De la bière toujours efficace. Rien ici. Toujours du métal. Et on a un wall safe qu'on va looter. Je sais pas si on peut trouver des pièces de sniper et autres, mais ça vaut toujours la peine. Un baril de pistolet. C'est respawn. On va donner un petit coup de main. Oups. Ok. Et voilà. Un peu d'argent et des vitamines qu'on va utiliser maintenant pour le gain de wellness. Et voilà. Donc, poste de police. On va aller voir où ça va. Ça, absolument rien. Fantastique. Donc, le poste de police. Qu'est-ce qu'on va trouver? On cherche toujours la crosse de sniper pour compléter le tout. On va tout looter ce qu'il y a ici un peu. Je l'ai jamais looté. Waouh, ok. Hunting rifle barrel, shotgun stock. Les deux à maximum de qualité. Toujours intéressant. Et voilà. Donc on va aller jeter un coup d'œil dans cette petite bâtisse-ci. On va défaire tout ce qui est en bois au rez-de-chaussée pour commencer. Et voilà. Et on va faire ce qui est en métal maintenant. Alors ceci est du looting efficace. Bon, on va toujours tout bien tout ramasser et on va pouvoir faire des upgrades avec ce qu'on a à la base. Et voilà. Wow, ok.
pour ce qui est des schématiques, pour l'instant, je pense que ceux qu'on a déjà, je vais commencer à les accumuler et faire des voyages aux marchands. 300, 300. Je sais même pas si ça vaut la peine. Dis-moi pas pour les armes à feu et pour les armures, parce que ça monte notre niveau de crafting de ces armures-là et de ces armes-là. Ou la qualité en général. Tout ce qui est du 600, je pense qu'on va le ramasser aussi. Une robe. C'est pas Repair que je voulais faire, mais bien Scrap, mais bon. On a un autre wall safe ici. Fantastique. Et avec tout ça, ce qui est bien, c'est lorsqu'on va revenir à la base, notre TNT, notre Gunpowder devrait être prête. Hunting Rifle Parts, maximum. Oups, ça va l'air bien ça. Celle-ci... Rien de trop intéressant là-dedans. Les bouteilles vides. Est-ce qu'on a quelque chose qui vaut la peine d'être accéder là-dedans? Non. Donc le deuxième étage, c'est l'étage qui est intéressant pour le poste de police. Vous allez voir assez rapidement pourquoi. Ceux et celles qui ne savent pas toujours. Et voilà, on a une munition box. On a un... ça ici, on va faire read. Et on va ouvrir la munition box qui contient les pièces intéressantes de sniper et autres. Rocket launcher receiver. Ok, ok. Et l'autre pièce intéressante, c'est celle-là ici. Qui contient quatre... deux casiers plutôt, et un gun safe. Par contre, dans les gun safe, je crois, si je me trompe pas, on peut juste trouver des pièces de pistolet, shotgun et hunting rifle, malheureusement. Qu'est-ce que je drop? La jupe, scrap, scrap, scrap. On va se faire un peu de... si on peut le jeter. Et voilà, on va voir s'il y a d'autres choses intéressantes là-dedans. Mais... pas vraiment. Bon, malheureusement, on n'a pas trouvé de pièces de sniper. Merde. On s'y prend en plus de le compléter, il manque juste une partie. On va récupérer au moins les sofas pour le cuir. Je vais, dans un futur proche, me faire sûrement une nouvelle, pas une nouvelle base, mais une nouvelle zone de travail, si on veut. Qui sera fort possiblement au niveau du bedrock. Et qui aura une douzaine de forges. Juste histoire de faire de la du forging industriel. Oups. C'est ici. Malheureusement, on n'a pas trouvé ce qu'il nous fallait. Donc, on va faire un petit retour à la base, vider l'inventaire, puis sûrement aussi commencer le crafting du TNT, qui est un peu plus long que le crafting de base. Donc, je vais revenir à la maison, dans cette direction-ci. Est-ce qu'il y avait un magasin d'armes dans la ville? Je suis sûr que oui. On a un magasin de livres, magasin d'outils là. Magasin de nourriture. Je me souviens plus par cœur si on avait un magasin d'armes. Je vais faire un petit tour, voir si je peux trouver ça. On a une banque qui pourrait être intéressante à looter si elle est... si elle est respawn. On va aller vérifier, voir. Malgré qu'on n'a plus beaucoup de place, on va laisser tout ce qui est linge et pièces d'armes. Et brass, argent... Et voilà. Maintenant, on a plein de place. Est-ce que les safes ont respawné? Si oui, ça vaut la peine. Nice. Hunting rifle, barrel. D'autres recettes. Des pièces un peu moins intéressantes. Un shotgun barrel, je crois. Parfait. Nice. Donc, la pièce intéressante. Sniper stock, sniper stock. Oh! On a la recette pour l'auger. Je la connais déjà. Oups. On continue à fouiller, voir si on trouve quelque chose d'intéressant. J'ai plus d'espace dans mon inventaire. Et malheureusement, non.
Alors, on va commencer à scraper des trucs. Pistolet, j'ai tout ce qu'il faut au maximum, donc je peux scrap tout ça. Qu'est-ce que j'ai scrapé là? Oups. Donc tout ce qui est pas mauve en fait, on va le scraper. Je sais qu'on peut les upgrader ensemble pour améliorer les qualités. Hunting rifle barrel. Scrap. Donc rien de très intéressant malheureusement. Donc je vais quand même continuer à jeter un coup d'œil voir s'il y avait un magasin d'armes. Il me semble que oui. Mais je ne me souviens plus. Faire un petit détour de ce côté-ci. Peut-être pas non plus. Peut-être que je me trompe de ville. Ou de map. Je confonds souvent les maps de Valmod et celle-ci. Toujours rien. Puis, je veux vraiment avoir le sniper le plus tôt possible. Malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de magasin d'armes dans notre ville. Non, malheureusement. Alors, retour à la maison. Vider l'inventaire. Peut-être par là. Puis on va crafter le TNT. Alors, je vais crafter tout ça. Puis, lorsque c'est prêt pour faire exploser le magasin, on se retrouve pour la partie excitante. Alors, restez là. On se retrouve tout de suite. Et nous sommes de retour. J'ai refait une petite tournée à l'intérieur du bâtiment pour être sûr que tout ce que je voulais récupérer qui avait de la valeur, ça a été fait. Donc, pratiquement tout ce qui reste, c'est les étagères. Oh, il reste un safe ici. Je pourrais peut-être le ramasser avec ma wrench. Peut-être le briser à la pioche avant. Ça va être plus rapide. Donc, en fait, non, je pense que c'est vraiment... Est-ce qu'on pogne des pièces ou c'est vraiment à la fin seulement qu'on trouve quelque chose? Je pense que c'est à la fin seulement. Et voilà. Donc, on va peut-être avoir des pièces mécaniques et autres. On va le savoir dans quelques instants. Non, que du métal. Ça ici, par contre, on obtient des mechanical parts. C'est toujours intéressant à ramasser. Donc, comme je disais, le reste, il reste juste des trucs qui sont pas intéressants. Donc, les étagères comme ça. J'ai récupéré tous les cash registers, les frigos et tout. Donc, tout ce qui reste, c'est pratiquement du bois et de la pierre. Et du métal. Ce que je voulais faire avant de faire tout exploser, c'est grimper pour récupérer la lampe ici en haut, parce que ça donne beaucoup de pièces mécaniques, si je me trompe pas, ou pièces électroniques, ou peu importe, avant de la faire exploser. Ouais, une tonne de... Est-ce que c'est pièces électroniques, ça? Ouais, électrique. Nice, 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 nice. Donc, maintenant, on va faire tomber tout ça, puis on va faire exploser les quatre murs. Du moins, essayer. Je pense qu'on va avoir ça de TNT, d'après moi. On va se tasser un peu. On va récupérer une tonne de métal. J'ai commencé aussi à briser les piliers. Il reste seulement qu'un coup donné. Oups, un coup donné sur chacun des piliers. Les quatre. Donc, on va faire ça ensemble. Voir si ça va s'écrouler. Oups, c'était le sol. Intéressant, intéressant. Donc, d'ailleurs, en parlant d'intéressant, on va commencer par enlever ça ici, que j'ai oublié aussi. Donc, le reste, ça a l'air intéressant. Donc, ce que j'ai, c'est 20 TNT. On devrait en avoir assez. On va commencer par faire exploser un coin ici, tiens. C'est parti. Donc on va mettre les TNT un bloc plus haut que le niveau du sol. Donc par exemple, comme ça. Ça explose quand même le sol. Nice. Ce qu'on va faire, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Et on va faire ça comme ça. Je sais pas si les trois vont se toucher. Nice. On va juste faire une petite récolte pour essayer des ressources qu'on peut récupérer ici en tenant E. Ça a l'air pas si mal pour l'instant. On a ramassé un peu de
Un peu de stone. Un peu de sable. Et voilà. Donc ensuite de ça, on va faire... Ça ici, on va les mettre plus près un peu pour faire une réaction en chaîne. Et voilà. Oui. Beau petit screenshot. Donc on a un début d'éboulement. Nice. Sweet. Alors on va ramasser tout ça bien sûr. Je déteste qu'il faut encore... Auparavant, on pouvait juste tenir E, par exemple. Oups. On pouvait juste tenir E. Puis on obtenait pas mal tout ce qui était dans les environs. Mais là, je pense qu'il faut qu'on spam pour être plus efficace. Si on tient E, ça fonctionne. Mais c'est beaucoup moins efficace que de juste spammer E un peu partout. Donc on a une tonne de métal ici à ramasser. Je vais récupérer toutes les ressources, bien sûr, hors caméra. Parce que ça va être un peu moins... ouch. Un peu plus intéressant pour vous de pas voir tout ça. Donc, ensuite, il va rester le pan de mur ici. À l'avant, ça a l'air pas mal tout détruit, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et bien sûr, par la suite, je vais tout remplir de sable, juste pour faire plus joli un peu. En fait, je vais peut-être faire ma deuxième base. Non, je pense que mon autre base de défense, ça va être plus au nord, un peu ici. Donc, ensuite, on va mettre ça. Cinq. Il va m'en rester six par après. Et c'est parti. Oh, pas d'éboulement. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment la fenêtre qui tient tout ça en place? Je pense que oui. Et voilà. Nice. Sweet. Alors, je sais que je disais qu'on allait faire des épisodes plutôt axés sur la construction. Mais je pense qu'on va commencer avec un épisode de destruction aujourd'hui. Intéressant, intéressant. Donc, il me reste 6 TNT pour faire tomber le reste. Ich, ça sera difficile, ça sera difficile. On va aller faire un petit tour. Oh, il y a encore des morceaux en dedans. Combien de ressources on a présentement? 200, pas beaucoup. Alors, pour faire exploser le reste... Je vais vérifier, voir si je peux faire tomber ça à la pioche. Prends 3 coups, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Ça se tolère. Donc j'ai un pressentiment que... 2 fois c'est assez. Ça c'est en bois donc ça devrait être assez rapide. Est-ce que... Wow, ok. Et voilà. Est-ce que c'est suffisant pour faire tomber tout ça? Je pense que non. Ça, c'est vraiment en bois. Ok, non, pas la wrench, la hache. Donc, après avoir clairé, si on veut... En fait, c'est quoi? Puis on va faire ça. Après avoir clairé la visibilité pour le côté... c'est côté est. On va pouvoir se bâtir une tour de sniper pour voir vraiment, vraiment plus loin. Ça, c'est en bois. Oh, ça s'écroule pas. Wow. Ok. Alors, on va quand même détruire ça. Ça, c'est en pierre. Toujours rien. On va détruire ça ici, alors. Toujours rien aussi. Et... Voilà. En fait, ce qui tient tout ça, je pense que c'est les trucs en haut. Qui sont des trussings qui sont très très résistants et très solides en fait.
Donc, ce qu'on va faire, on va faire ceci. 2, 3, 4. Il va nous en rester une. Ça, c'est des spikes. Oh, il en reste une TNT ici. Une TNT là. Et voilà. Tout tombe. Un autre petit screenshot dans le... Sans le background. Nice. Donc pour le TNT qui nous reste, on met ça à peu près au centre ici. En fait, à l'intérieur peut-être. Peut-être quelque part comme... là? Nice! Excellent! Il va y avoir beaucoup de débris... J'avais pas pensé à ça. Il va y avoir beaucoup de débris à ramasser avant de pouvoir remplir tout ça en sable. Mais bien sûr, je vais faire ça après l'épisode pour vous sauver un peu de redondance, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure. Ok, oups. Nice. Alors, ce que je vais faire... On est à quoi? 22 minutes? À presque 22 minutes. Ce que je vais faire... Oh, j'entends une screamer. Je pense que les explosions ont attiré un peu l'attention. Et en plus, ça rime. Bonjour. Des painkillers, toujours intéressant. Donc, si on jette un coup d'œil de la base, en fait... Donc là, pour tout ce qui nous reste qui va un peu obstruer la vue, ça va être la station-service, mais c'est pas très très grave parce que c'est plutôt loin. Donc on va pouvoir se faire une tour de sniper qui monte vraiment plus haut. Puis on pourra mettre une rangée de spikes beaucoup plus loin. Peut-être à peu près, je dirais, ici, à cette distance-ci à peu près. Un peu tout le tour, mettre de l'éclairage pour qu'on puisse bien voir les zombies qui arrivent. Et lors des hordes, on va pouvoir aller dans la tour et sniper un peu tout ce qui s'en vient à longue distance. Et se sauver des ressources en protégeant nos spikes le plus possible. Donc je crois que... Est-ce que je ramasse tout ça tout de suite? Il est 13h15 in-game. C'est une excellente question. En fait, ce que je risque... Non, ça fonctionnerait pas. J'allais dire, ce que je risque de faire, c'est de juste creuser le sable en dessous pour que tout tombe, mais ça va juste tomber et faire d'autres débris, donc ce sera pas plus avantageux pour moi. Je crois que... Et ça, c'est en quoi? C'est en pierre? Ah, c'est deux coups. C'est pas si mal. Pas si mal. Je crois qu'avec vous, ce que je vais faire... Oh, bonjour. Ce que je vais faire avec vous, c'est juste que je vais détruire Oh, mini horde. Bonjour, monsieur. Il est trop tard, le magasin est fermé. Il est un peu trop tard. Ok, lorsqu'on dit mini horde, c'est vraiment mini horde. Ils sont trois, hein. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et le silence fut. Ok, alors, ouais, je vais juste détruire les trucs, les piliers qui restent, pour donner un petit aperçu de ce que ça va avoir l'air. Ceci. Ça, c'est en bois. Ouais. Change d'arme. Bon. Voilà. Ça ici et ça ici. Donc un de moins. Et ensuite on va détruire les étagères ici. Overheating. Ok, j'ai mon poncho ou tout. Intéressant. Température assez intense on dirait. Donc je vais détruire tout ça. Je pense qu'on va faire un épisode un peu plus court aujourd'hui. Un peu moins de 30 minutes. Mais ça va nous donner une bonne idée de ce qui s'en vient pour les défenses. Et pour... Ok. Ça ici qui tient encore. Voilà. Et pour le dernier, on va détruire l'autre côté. Il va être plus rapide. Celle-ci.
Ça, c'est 10 stones, j'imagine. Yep. Et la prochaine étape, ça va être pour moi de m'amuser à faire à récupérer tout ce qui pas récupéré, mais à faire le ménage un peu dans tout ce qui reste au niveau du sol. Bien sûr, ça c'est en béton. Oui, il fait chaud, j'ai compris. Non. C'est ici. Donc, lorsque je le brise, c'est en stone. Et lorsqu'il tombe en débris, c'est en bois. Intéressant. Oups. Non, ça c'est en stone, en bois. Ok. Étant donné que c'est des murs intérieurs, je crois, peut-être. Peut-être c'est juste les murs extérieurs qui sont en stone. Et voilà. Une bonne partie du mur. Il va rester le mur ici. Ça, c'est en stone, définitivement. Et voilà. C'est en bois. Ok, parfait. Non, en stone. Ok. Intéressant, intéressant. Il reste rien au-dessus de moi. Parfait. On est en sécurité. Et un dernier. Nice. Alors, on va aller faire un petit tour, voir de quoi ça a l'air de notre bunker. On va s'amuser à entrer ici délicatement. Parfait. Ow. Ow. L'heure de briser ses spikes. On va entrer ici. Nice. Nice. On va monter. Il va me falloir un frame. Alors. Donc on a une belle vue partout aux environs. Il va nous rester éventuellement peut-être à détruire la station de service. Mais pour l'instant, ça va être assez intéressant comme ça. Nice. Donc, je crois qu'on va se laisser là-dessus. J'ai beaucoup de travail à faire hors caméra, récupérer toutes les ressources et remplir de sable. Et la prochaine fois qu'on se voit, ça devrait être comme si de rien n'était. Ça va être tout en sable. Et ça sera ni vu ni connu. Alors, ça va être intéressant de voir avec la tour de sniper. Je sais pas encore comment je vais la bâtir. Sûrement juste faire les quatre piliers aux quatre coins et monter en haut. Et avoir soit un escalier ou une échelle qui monte. Peut-être une quinzaine de blocs, vingtaine de blocs. Et avoir une rangée de spikes tout le tour, disons, à la distance de la fin du chemin là-bas. Jusqu'à... Je dirais jusqu'à un peu moins que la moitié d'où le bâtiment était. Puis un peu plus loin que l'autre extrémité du chemin ici aussi. Et le chemin là-bas, même chose. Donc on va avoir une petite zone de défense plus agrandie. Qu'on va pouvoir défendre à plus loin un peu, de plus longue distance. Donc ça va être intéressant de voir les... prochaine défense. Pardon. Ouais, je pense que ça va être... On va terminer avec ça. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas de laisser un like et des commentaires pour laisser savoir ce que vous avez aimé ou pas, plutôt. Puis, on va se retrouver la prochaine fois pour la suite de la série 7 Days to Die Alpha 15 en solo. Alors, je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois. Ciao!